En matière de bandes dessinées, Loustal et Paringo sont des auteurs confirmés, des vrais. Les deux albums qu'ils publient simultanément chez Casterman, Un garçon romantique et La couleur des rêves, véhiculent des univers comparables, fortement lumineux, oniriques peut-être, dans lesquels le malaise des âmes trouve son illustration dans la violence fauve des coloris. Dans Un garçon romantique, un lien trouble unit une mère à son fils, tout comme est trouble la faune qui les entoure. La couleur des rêves, sorte de catalogue de songes nocturnes, est plus puissante encore. Certaines des planches de Loustal, sur une pleine page, voire une double, constituant de véritables tableaux expressionnistes. Ce bar louche n'évoque-t-il pas Chagall et cette femme nue, Matisse? Mais c'est à la page 69 que Loustal nous offre son portrait le plus émouvant. Cette femme de jais, au regard d'azur, de côté, que ne donnerait-on pour qu'elle tourne le regard vers nous?